Ouvrage est déjà nommé porte internationale. Voyager dans un port international pour la première fois, capable de paraître vraiment stressant. Et bien dans la vidéo, ça, nous allons partager ensemble avec vous toutes sortes de connaissances depuis l'arrivée dans un port là pour juste leur entrer dans l'avion. Si tout ou même qui n'a pas le programme Biden, là, captain et qui pourra le voyager pour la première fois. On a les gars où le salive la caillou. Si c'est la première fois que vous tombez sur la vidéo, nous allons vous demander d'abonner à nous pour que tout entre dans la famille Team Le Sage. Mais toutes sortes de connaissances, nous allons voyager pour la première fois. Généralement, le meilleur moment pour réserver un vol pour un voyage ou pour un ticket à Kaba, c'est le fait réservation ça le mardi ou du moins le mercredi. Avec tout, leur fait réservation d'avance. Ce n'est pas leur pour voyager et puis pour tout décider qu'ils acheter un ticket. Tout autant réserver plus de jours d'avance, c'est tout autant pour ticket à Piba. Si vous êtes capable de faire réservation un mois ou bien deux mois d'avance, la Piba. Ce qu'on a souvient, on va pouvoir généralement monde qui va voyager utiliser et genre de bag ça yo, genre de mallette ça yo pour faire voyage là. Et il y a une raison pour ça qui fait toujours utiliser modèle mallette ça yo. Il permet que c'est eux même qui modèle mallette pour voyager. Ça c'est une et puis tout, si vous avez acheté d'avance, vous avez un avantage. C'est pas l'arrivée en bas dans l'airport là pour l'acheter, ça va le faire prendre plus de temps, ou payer le plus cher tout. Donc, tout le temps qu'on est acheté mal et tout d'avance, bien encore mieux. Et puis, assure que vous avez tout document voyage dans la main, autant que passeport, et puis gardez bien, assure qu'il va expirer. C'est pas l'arrivée en bas pour garder, et puis l'air vérifier que le passeport a expiré, vérifier tout ça. Yo. Vérifier si le document voyage dans main, tant que visa, si c'est avec visa qu'on voyage, ou du moins, c'est dans ce moment-là, avec le programme Biden, non, il y a un travel authorization, assure que l'en main. Il est toujours bon pour faire toute copie du document voyage. Au cas où, si le document original est perdu, eh bien, copie-le à petit loup pour faire suivi à vous. Il est toujours bon pour arriver dans l'aéroport 2 heures, ou du moins 3 heures de temps d'avance avant vol. On dit qu'on est dans un port là. Premier côté pour aller, c'est dans check-in. Check-in, c'est un mot anglais qui veut dire que vous pouvez le checker pour vous, pour vérifier si vous avez un passeport, s'il va expirer, si vous avez un ticket d'avion, dans qui compagnie airline que vous pouvez aller. Il y a vérifié tout ça, vous n'avez pas dit ça. Il y a vérifié valise, malet tout, si vous avez un bagage qui est trop lourd. Checker en gros, il y a une vérification globale pour vous sur le document, sur tout le bail net, n'a pas dit ça. Il y a posé quelques questions. Tout. Et une fois qu'on a vérifié pour vous, ok, tout à fort correct, il y a vos kounyan security check. Comme ça, et partie ça, security check, son mot anglais. Et ça m'est capable de dire en français contrôle de sécurité. Je ne vais pas mentir, parti ça vraiment stressant. Je vais bon raison qui fait stressant. Parce que, on dit par exemple, surtout, au content de que la police nationale dit que vous avez un bandit qui n'a pas de porte pendant le voyage. Eh bien, généralement, c'est dans parti ça, oui. C'est dans parti security check là. Parce que dans parti ça, vous faites une vérification globale. Dans partie ça, il faut retirer les bagages dans pied, il faut retirer les ceintures, garder tout ce qui est dans mon soupagne, dans partie ça, je ne vais pas vous mentir. C'est stressant, c'est vraiment stressant. Malgré moi, je dis que partie ça, c'est une partie qui est plus stressant. L'arrivée dans l'aéroport, il y a fait security check là. Mais il y a beaucoup de légal et où il doit être fret. Ça a quitté ça pour mon bandit qui a échappé pour lui. Et puis il est arrivé dans la partie ça, il a vraiment senti le pas confortable. Mais nous-mêmes, qui sommes monde qui clean, nous n'avons rien pour nous développer. Donc, seulement assurer que nous n'avons pas de liquide, pas de liquide dans nos mains. Liquide dans la valise, etc. Et puis, ZAM, on va devoir des ZAM. On va prendre tout ça là, restriction.
tout image ça va prendre là couteau c'est tout genre de bagage ça ou pas doit marcher avec toujours dans même partie security check là dans partie on dit en français contrôle de sécurité là ou doit bah vérifier comme si c'était gain dans valise ou bagage qui métal là-dedans tant que couteau chaîne bah tout ce qu'on est qui métal dans ou doit retirer tout dans valise ou dans mallette avant même que on le passer pour faire une vérification pour voir si pas grand qui métal sur il y a pas mal et tout il a passé côté où il a passé là pendant regarder dans vidéo là pour faire une vérification pour voir si on va gagner bagage métal dans mal et tout des bagages qui au pas de mettre donc partie ça vraiment important dans partie security check là donc même m'assurer qu'on pas gagner rien qui métal là-dedans si c'est rad seulement rad même si c'est tiron ou gagner les ca font effet parce que bagage métal net parce que si on bagage métal là-dedans la font bruit et puis mando pour vérifier pour retirer ça qui métal là-dedans. Et puis ça regarder là agent ça yo relé agent TCA c'est lui même qui va le passer bagage ça pour vérifier sous bagage j'aime dit tout à l'heure toute bagage qui métallique sous est capable de même retirer sentiron et puis yo cadre tout retirer bagage dans pied oui yo cadre retirer bagage dans pied donc partie ça sont partie qui vraiment strict en façon pour assurer que bagage rien qui capable mettre mon en danger tu vas passer dans partie ça. Tout de suite après finir dans partie security check là ça qu'arrivé que on dans partie douane donc on partie douane pour vérifier quelques informations la douane OK mais gagne tout rien qui est importe qui pas lui pas nécessaire pour passer dans partie ça ou tout aller dans l'autre partie qui c'est onboarding là pour le process là. On garder puis devant après ça là. Et puis tout de suite après on parler dans salle de débarquement. Salle de débarquement lui-même, c'est tout de suite ça les toujours fait tout de suite après security check là. Contrôle de sécurité là. Même jour quand tout de suite quand vous qu'on fait après contrôle de sécurité des fois il faut passer la douane mais ils vont passer directement avant que fini de contrôle de sécurité ou aller tout droit dans salle de débarquement. C'est là que vous allez parler comme si vous regardez et qui numéro vol à qui l'a débarqué, etc. Et vous avez besoin de panneaux, de barrer comme bonne instruction. Une fois que vous avez vérifié toutes les informations concernant le vol là, et bien vous pouvez diriger Kounia là dans la salle d'attente, dans la salle côté que vous pouvez poser pour tendre les vols pour l'arrivée. Et bien, pour nous, on va le chute arrêter tant pour les qui ont annoncé, parce qu'il y a annoncé que vol l'après pour tout le monde capable d'embarquer, on va juste présenter pièces sous, passeport, ticket, etc. Et puis, on monte. J'aime dire tout à l'heure, avant de débarquer, on va passer dans Get a Jet, on va regarder là, dans l'image là, on va prendre un document dans la main, et puis il y a scan, surtout onboarding pass là. Il y a scan, et puis. Ou good to go pour capable indiquer pour aller dans l'avion. Pour vidéo pas trop longue, dans l'autre vidéo on va parler de l'arrivée dans l'autre pays que vous aller processus qui tout ça pour faire. Lors descend en avion, l'arrivée dans le pays que vous aller processus tout ça qu'on fait. Restez sur page pour connait bagage ça. Tout en espérant que vous avez apprécié cette vidéo ça que vous avez voté pour aujourd'hui à salamand le kounia c'est partager vidéo ça tout autant que capable pour capable aider l'autre monde surtout dans monde qui va voyager spécialement dans moment ça nous connaît un pile qui voyager monde qui sous Biden avec l'autre monde encore qui fait voyage là au passé dans l'aéroport international là pour connait ça pour faire c'est vraiment important pour faire ça pour partager vidéo et si c'est première fois tomber sur channel là pas oublier abonner et dans la prochaine vidéo on a porté pour vous va parler de l'arrivée dans pays où pour aller le fin de son avion mon processus encore restez branché n'a porté pour il est important pour vous pouvez vous brancher pour capable toujours être connecté ensemble avec nous c'est un plaisir bye bye tout le monde à la prochaine.